Alors, Bezrat Hashem, le Chok d'Israël ce matin, Brachot 54.1, le Nishmat, Itzhak Bar Fibi, Shayom Pekidat Chocho. Et Yaakov Bar Yamna. Mena Anemele. 12 conseils que quand quelqu'un a eu un miracle, il faut qu'il fasse une bracha. Okay? Il y a une bracha à faire quand quelqu'un il a eu un miracle. Il y a une bracha. Quelle bracha? Baruch Ata Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Sheasa Li Nes Bamakom Hazeh. Okay? Alors, rien qu'on peut expliquer, toutes les bénédictions que nous avons, ont été instaurées au retour de Babylone. Avant qu'on était jusqu'à le retour de Babylone, chacun s'est adressé à Hachem comme il pouvait. Merci Hachem, à Hachem, j'ai besoin de ça. Chacun, dès qu'on est retourné de Babylone, malheureusement, ils ont oublié déjà, la majorité du peuple a oublié déjà la langue hébraïque. Alors ils parlaient Ashdodite. Ashdodite, c'est la langue parlée en Babylone. Okay? Et c'est pour ça que notre Talmud, on appelle ça le Talmud babylonien. Et la majorité des deux pages de Talmud sont en araméique. Okay? Alors, il n'y avait plus de prière, les gens ne savaient pas quoi dire. Ezra le scribe, il a pris tout son conseil, tout le rabbin, et ils ont instauré les prières. Ils ont instauré la prière de Shachrit, Mincha ve'Arvit, les prières de Rosh Chodesh, les prières de sur les aliments, Borei Preis, Borei Pri Adama. Ils ont tout instauré, inclusivement la bracha de Hagomel et la bracha de She'asa Li Nes Bamakom Hazeh. D'abord, 12 conseils qu'il faut faire une bracha quand il y a un miracle qui est arrivé à une personne. La Gemara dit, voilà, Amar Rabbi Yochanan, d'Amar Kera. Vayomer Yitro, Baruch Adonai, Asher Hatzil Etchem Mi'ad Mitzrayim. Yitro, c'est le premier à réciter un bracha au nom d'Hachem. Okay? Léa, la femme de Yaakov, c'est la première à remercier Hachem de la Torah. Apa'am, Ode et Adonai, Vatikra et Shemo Yehuda. Quand elle a eu le quatrième garçon, elle a dit, waouh, nous sommes quatre femmes. J'étais sûr que chaque une de nous aura trois garçons. Mais là, moi, je viens d'avoir une part de plus. Apa'am ode et Adonai. Je dois remercier Hachem. Dit la Gemara, Atcheba Alea, jusqu'à Léa, on ne trouve pas depuis Bereshi jusqu'à Léa que quelqu'un a remercié Hachem dans la Torah. Et après, jusqu'à Yitro, on n'a pas vu quelqu'un qui a récité une bénédiction. Comme Yitro, il dit, Baruch Adonai Asher Itzil Etchem Mi'ad Mitzrayim. Il a dit carrément, Baruch Hashem. Ken, Baruch Hashem, c'est une bracha. Baruch Ata Hashem, il a dit une bracha. Ken? Qu'est-ce qui est arrivé au juste? On est sorti de l'Égypte, 3 millions de personnes. Mais la Gemara nous explique qu'il était impossible de sortir de l'Égypte. L'Égyptien, ils étaient des magiciens. L'Égypte était entourée d'une muraille, comme la Chine. Ils ont construit une muraille énorme là. Ils ont entouré toute l'Égypte avec une muraille. Sur la muraille, à l'intérieur, ils ont dessiné des chiens. Quand quelqu'un voulait sortir, le chien commençait à aboyer. Regardez les photos des internets et tout ça. Qu'est-ce que vous voyez? Vous avez toujours des gardes avec tête de chien. Ou ils ont des bâtons avec une tête de chien. C'était comme un emblème que les gens qui voulaient se sauver de l'Égypte, des esclaves, ils pouvaient pas. Arriver à la muraille, par magie, le chien commençait à aboyer. La personne avait peur, elle tremblait, elle rentrait. Personne n'est sorti. C'est pour ça que Rami trouve une signification dans le mot Mitzrayim, Égypte, Mitzrayim. Ça commence par la lettre même et ça finit par la lettre même. Seulement la même initiale, elle est ouverte en bas. Et la même, à finale, elle est complètement fermée. Qui veut dire, initialement, en premier, ça veut dire au début, tu peux rentrer en Égypte. Il y a une petite ouverture, tu peux rentrer en Égypte. Mais pour sortir à la fin, tu peux pas sortir. Et là, 3 millions de personnes sont sorties de l'Égypte. Pas un, pas deux, pas trois, pas 300, pas 3 millions de personnes. Viens Yitro et dit, Ribbonosh Baruch Hashem, Asher Yitzil Etchem Mi'ad Mitzrayim. Comment ça se fait? Alors ça, c'est un miracle. Il a fait une bracha Hashem. De là, on apprend que quand quelqu'un a eu une bracha, il faut faire une bracha. Il faut faire une bracha Hashem. Mais la Gemara dit, une seconde, je ne comprends pas. Cette bracha a été dite sur un public. Car il y avait 3 millions de personnes qui sont sorties de l'Égypte. Mais nous savons qu'un individu qui a un miracle, qui doit faire une bracha. Peut-être là, cette source-là nous enseigne pour un public, pas un individu. Dit la Gemara, voilà. Il y avait deux histoires dans le Talmud. Aou Gavra, il y avait un homme, Kazil be Ever Yamina. Il y avait une place en Babylone, ça s'appelait Ever Yamina. Une personne passait là-bas, et qu'est-ce qui est arrivé? Nafal Ale Arié, qui rencontre en route un lion. Il est en face du lion. Et là, un miracle s'est arrivé, le lion l'a lâché, comme ça. Vitatzel Miné, il se sauvait de lion, ok? Atale Kame de Rava. Il est venu voir Rava, un grand rabbin. Il dit, Rava, qu'est-ce que je fais? Rabbi, qu'est-ce que je fais?
Il lui dit, tu vas faire une bracha. Kol emat dematit leatam berich baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sheasa li nes b'makom hazeh. Il lui a dit, chaque fois que tu passes là-bas, tu vas faire une bracha. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam sheasa li nes b'makom hazeh. Et ça, c'est un individu. Tu vois que quoi? Que même un individu doit faire cette bracha. La Gemara continue avec une autre histoire, pareille, mais un peu différente. En quoi elle est différente, vous allez voir. Ou Mar Bera de Ravina. Il y avait un rabbin qui s'appelait Mar Bera de Ravina. Il est passé en route. Il était arrivé dans un comme un petit désert. Ça s'appelle Pitkad Aravot. Vetsacha le Maya. Il avait soif. Il allait mourir de soif. Il dit, Hachem, j'ai soif. Qu'est-ce que j'ai fait, tout ça? Hachem lui a créé un geyser. De l'eau commençait à sortir de la terre. Et il a bu, il s'est désoiffé. Et la Gemara dit, une autre fois, il était dans une autre place, ce qui s'appelle Risteka de Mchosa, et à cet endroit, un chameau fou voulait l'écraser. Le chameau, des fois, il reçoit des folies, il veut l'écraser la personne. Et le chameau, c'est pas petit là, c'est plus grand qu'un cheval. Et le chameau courait avec lui pour le... Là, il a trouvé, il courait, il a trouvé une ruine, et il est rentré dans la ruine, et le chameau ne pouvait pas le suivre, il s'est sauvé. Alors il est venu voir un rabbin. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Alors on lui a dit comme ça, écoute. Il dit, quand tu arrives à Ravot, là où tu avais soif, tu dis, Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, she'asal nes ba'aravot, ici, ou bagamal. Et aussi, n'oublie pas de mentionner le chameau. Malgré que tu n'es pas là-bas, tu mentionnes le chameau. Aïm bracha. Et quand tu arrives à Risteka d'Imchosa, Barich, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam she'asal nes ba'gamal ou ba'aravot, aussi là-bas avec le désoiffement que j'avais, pour dire que un individu doit faire une bracha. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que c'est un nes. Okay? Dans la halakha, ça se discute. Un mur, le gars il passait devant un mur, le mur est tombé, waouh, il a échappé. C'est un grand miracle, mais c'est pas encore assez pour dire la bracha she'asal nes ba'makom hazeh. Chas v'shalom, accident de voiture. La voiture est devenue accordéon. Et lui, il est sorti indemne ou peut-être. C'est pas assez pour faire chez Rianou Vekiman. Il y a des règles. Ça, on peut pas apprendre aujourd'hui. C'est trop court pour apprendre aujourd'hui. Il y a des règles. Mais toujours, il faut demander. Mais une chose est sûre. Chaque fois que tu as un miracle, fais un petit souda. Et ça s'appelle soudat odaya. Tu dois remercier Hachem. Tu fais un souda. Oui. Accident de voiture, surtout. Okay? Tu peux faire. Alors, tu montes au Sefer Torah, mais tu ne dis pas à Gomel. Mais tu offres une petite souda avec un petit don pour dire à Hachem, tu m'as sauvé. Toda Rabba Hachem, voilà, je offre une petite souda. Et comme ça, tout le monde fait des brachot et tu as fait ton. Okay? Alors, pour dire qu'il y a des règles quand on peut réciter cette bracha, mais Hachem, une autre fois, on va l'apprendre. Baruch Adonai le'olam. Amen, ve'amen.